Bonsoir à tous. Good evening. Welcome to the Maison Française d'Oxford. We're going to be in conversation today, thanks to technical assistance from Anne-Sophie and from Rob, with a French author and his translator. So I'd like to welcome, on your behalf and on my behalf, Maël Renoir and his translator, Peter Berman de Cinetti. So if Maël and Peter could join us, donc si vous voulez bien nous rejoindre, Maël et Peter, en direct de Paris, où vous devez vous sentir libérés désormais, puisque je sais que vous pouvez vous mettre en terrasse et profiter de la vie. Voilà, bienvenue à Oxford. Je suis désolée de ne pas vous accueillir en direct. Comme vous le voyez, il fait extrêmement beau ici. J'espère que ce ne sera que partie remise. Je vous accueille donc aujourd'hui tous les deux pour un livre dont vous êtes l'auteur, Maël, and for a book which you translated, Peter. Donc, c'est un livre qui… donc j'ai les deux versions. Here we are. C'est un livre qui vous appartient à tous les deux. Et je voudrais lancer la chose en vous demandant, Maël, de raconter très simplement pour les spectateurs qui ne connaissent pas cet ouvrage et qui, par exemple, ont, comme nos étudiants, eu le plaisir de lire l'historiographe du royaume, hein, de parler un petit peu de ce livre-ci très différent et de dire en quelques mots à quoi il faut qu'ils s'attendent. Merci, Catriona, merci pour votre invitation. En quelques mots, ça va être un peu difficile parce que c'est un livre assez singulier, je pense, dans sa forme et dans son projet, dans son écriture. C'est un livre qui a eu plusieurs étapes, qui ne répond pas à une idée unique non plus. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Fragments d'une mémoire infinie ». Qui se présente du point de vue de sa forme effectivement comme des fragments, c'est-à-dire des unités détachées les unes des autres, mais qui sont organisées aussi en différentes sections thématiques. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir à un autre moment. C'est un livre qui parle d'Internet, et de la manière dont il change notre existence, et plus particulièrement notre existence intellectuelle, nos cheminements de pensée, et également la littérature, la création, l'invention d'histoire, et la manière dont aussi nous nous racontons à nous-mêmes nos propres vies. C'est donc un livre qui, tout en parlant de cette technologie qui maintenant nous est familière depuis une vingtaine d'années, est aussi nourri d'un grand nombre de références littéraires et philosophiques antérieures, et qui essaie aussi, à de très nombreuses reprises, de créer des passages entre des pensées des siècles précédents et l'expérience que nous vivons aujourd'hui avec l'usage d'Internet. Je pense qu'il est aussi intéressant de préciser, pour envisager, disons, la perception du livre, qu'il a été écrit pendant plusieurs années, que j'en ai eu l'idée à la fin des années 2000, vers 2008-2009, qu'ensuite j'en ai écrit la plus grande partie vers 2014-2015. Et il est possible que on ait aujourd'hui encore, le livre est paru en français en 2016, il est possible qu'au cours des 5-6 dernières années qui se sont écoulées, l'expérience qu'on a d'Internet se soit encore modifiée, qu'on ne le perçoive plus exactement de la même façon. Dans ce livre, j'avais l'idée aussi de tenir une sorte de chronique des expériences nouvelles, à la fois intellectuelles et affectives,
que l'on pouvait faire à cette époque-là, entre 2000 et 2015, où il y a un certain nombre de passages qui, comment dire, essayent de décrire de manière aussi précise que possible la nouveauté qu'ont pu représenter un certain nombre d'expériences que l'on faisait à travers l'Internet, par exemple. Il y a une section qui, d'une certaine façon, tourne autour du thème de la mort et un des passages décrit la manière dont j'ai pour la première fois appris le décès de quelqu'un simplement sur un fil Facebook. Et je me souviens que ce jour-là, j'avais le sentiment de faire l'expérience de quelque chose d'assez nouveau dans l'expérience humaine. Voilà, en gros, un peu plus que quelques mots, l'histoire et le projet du livre. Merci Maël, parce que vous commencez en effet en racontant cette espèce de sentiment que vous avez eu en 2008, où vous êtes dit, tiens, et si je regardais sur Internet pour voir ce que je faisais hier, on a le petit texte explicatif tout à la fin de la version originale, mais pas de l'anglais d'ailleurs, donc on a cette petite ouverture sur votre atelier d'écrivain. Et comme vous venez de l'expliquer, donc c'est un livre composé de fragments qui correspondent à des expériences. Est-ce que vous avez écrit ces fragments presque à la manière d'un journal qui est venu s'agencer? Vous racontez aussi qu'il y a eu une première publication de quelques fragments dans un périodique, mais est-ce qu'après ça a été une conception un peu en fragments discontinu mais dans la continuité, ou est-ce que ça a été l'écriture de petits morceaux qui ont été agencés, une réflexion autour de thèmes? Comment l'écriture s'est-elle faite? Alors, il y a effectivement un aspect quelquefois de faux journal, mais ce n'est pas écrit au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de singulier qui se rapportait à l'Internet, je notais l'idée. Et souvent, les fragments ont été écrits parfois 2, 3 ou 4 ans après en avoir eu l'intuition. Et ensuite, j'ai recomposé l'ensemble en les agençant en fonction d'un thème commun qui pouvait les relier. Il y a dans le livre 11 sections qui ne portent pas de titre parce que je ne voulais pas non plus orienter trop la lecture. Il y a certains fragments qui pourraient appartenir à différentes sections. Donc c'est un ordre qui peut aussi être d'une certaine façon recomposé par le lecteur lui-même. Mais en gros, les thèmes des sections, c'est la mémoire, la mort, l'espace, la narration, le livre, l'image, la morale. Et puis la dernière section est d'une certaine manière une sorte de portrait de l'auteur en usager d'Internet où je reviens sur quelques expériences de mon enfance, de ma jeunesse. Je parle aussi de mon père à ce moment-là. Voilà en gros, disons, les thèmes qui ont présidé à l'agencement des différents fragments. And Peter, you translated this book, and so when you actually came face to face with it, presumably it was already a finished, published book. So did you then undertake a linear translation, or did you translate bits? How did you go about the actual work of translating? Interesting. No, I did. I guess I could have started anywhere. Actually, one of our first conversations with Maëlle was about how to translate one of the later parts, which is the La Bruyère section, and how do you actually create a how do you find a counterpart for what La Bruyère means in French in you know 17th or on the 18th century English prose? So we did, our conversations were very wide ranging, but I started at the beginning and went through it, but it was something that was always, Maëlle was speaking about connecting the past, experiences of the past with the present, and there's very much, because that happens in the French language, not just the ideas, but the words themselves, that there was that same kind of movement to and fro in time as I was translating. For instance, with the La Bruyère, where I was going back and reading Addison, the Spectator, you know, from
a little bit later than La Bruyère, and trying to find exactly how do you make an English that sounds like that period. And when you translate in general, if you're translating a literary text like this, do you do a first quick rough draft and then come back to specific elements, or do you just make sure your sentence is perfect before you move on to the next one? How do you work? Yeah, a little of both, but yeah, absolutely. I think that what I've learned is that as a translator, you need to have that first just draft on paper. You need the words on paper in another language, kind of get it out of the French. But after that, it's a process which I think is different for each person, and even I've realized is different for me over time, where it's this between fidelity, absolute fidelity, or you know, getting as close as possible to the original syntax and words, or sometimes trying to reformulate in French. At the time that I was translating this, I'd just been reading this wonderful book in the Cahiers series by Lydia Davis called Proust, Blanchot, and the Woman in Red. And she talks about having learned from Léris this sort of absolute fidelity to the text, from Blanchot, the fidelity to the text, from Léris, even the syntax, kind of mirroring complicated French syntax, and from Proust trying to get the punctuation and the sounds of the original. And so I was a little bit more in that mode when I was translating this, but I think it's a pendulum, even within a book. And so, une question pour l'un comme pour l'autre, justement, parce qu'on est en train de parler du livre et de la traduction. Donc, le titre n'est pas rigoureusement identique, puisque en français, on a Fragments d'une mémoire infinie, et en anglais, Fragments of an Infinite Memory, My Life with the Internet. Alors, est-ce que Maëlle, parce que je sais qu'en France, le titre est propriété de l'éditeur, donc est-ce que c'est un titre que vous avez choisi? Est-ce que c'est un titre qui est un compromis avec votre éditeur? Est-ce que c'est un titre qu'on vous a imposé? Et pourquoi, why, Peter, the subtitle in English? Le titre en français, je l'ai choisi. Pour le sous-titre, il faudrait poser la question à Edwin Frank, parce que c'est lui qui pensait que pour le lecteur anglo-saxon, c'était bien d'avoir un sous-titre qui explicitait le fait que le livre portait sur Internet. Mais j'ai pas du tout mis d'objection à sa proposition. And Peter, how do you feel about the added subtitle? Well, absolutely. I think that it's part of it is this, that some of the mechanisms that Maëlle is describing in the book actually became very much a part of the translation. Of course, there was Edwin Frank's decision to present it to American readers, which had this subtitle. But there were also things even closer to the content of the book, where I was very late on this translation. And at one point, I Googled Fragments of an Infinite Memory, and I got onto the New York Review of Books website. And as you'll see, the first sentence of this book is very, very difficult to translate in a way that's satisfying. So I was far along, but I was still wondering exactly how I was going to do it. And I saw that in the meantime, needing a presentation, someone, probably Edwin himself, had written the first sentence of the book. So I took it in the final version. It's a sort of collaboration between me, Edwin Frank, and the internet, where I That's great. That's a sort of self-fulfilling sort of aspect of the book, in the sense the book is translating itself via internet without the translator having to intervene. At one point, a little bit later in this process, I even found that it was on Kindle on Amazon.com, and for $17.99 I could buy my translation that wasn't finished, which I can't say. I might even have tried with my credit card, but I don't think it was only a pre-order. et alors justement, dans le texte français, Maëlle, de temps en temps, justement, comme ça parle d'Internet et d'évolution qui, à l'époque où vous écriviez, vous le dites, étaient des évolutions récentes, vous étiez dans une actualité qui était brûlante, en tout cas en termes d'expérience, parfois le vocabulaire, du coup, est un vocabulaire très récent et parfois il y a des termes anglais. Et est-ce que, du coup, ça conduit à une contrainte particulière pour le traducteur, pour Peter? Alors, ça me permet de revenir, par exemple, sur l'ensemble du projet, point de vue stylistique. Peter a mentionné effectivement la partie du livre où je m'amuse à écrire des pastiches de La Bruyère, qui est un auteur français du XVIIe siècle,
en appliquant son style à la vie sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Il y a aussi un passage qui concerne Wikipédia et disons les phénomènes de vanité qui peuvent être liés à cette encyclopédie en ligne. C'est d'ailleurs, je reviens aussi, pardon, à Catherine, à votre première question, ça crée quand même un léger rapport avec l'historiographe du royaume, même si effectivement les deux livres sont en apparence très, très différents, mais il y a, disons, en commun ce travail stylistique dans l'écriture, où, d'une certaine façon, j'essaye assez souvent d'appliquer des formes stylistiques anciennes à des réalités qui en sont éloignées. Dans l'historiographe du royaume, il y a le choix du style du narrateur qui renvoie dans sa forme au XVIIe et au XVIIIe siècle français, mais s'appliquant au XXe siècle et au monde du Maroc. Et dans le fragment du monde infini, il y a quelque chose d'assez similaire. J'essaye d'appliquer un style, souvent simplement classique, sans jeu particulier, mais il y a ce moment dans le texte où j'essaye de créer une connexion ou une confrontation entre un style de littérature de l'âge classique et des phénomènes contemporains. Ensuite, effectivement, la question qui peut se poser de ce point de vue-là, du point de vue de ce choix de classicisme, qu'est-ce qu'on fait avec les termes anglais contemporains qui sont employés couramment par les usagers d'Internet, simplement parce que ce sont des phénomènes qui viennent du monde anglo-saxon. J'ai choisi de ne pas pousser l'affectation trop loin et de les conserver à partir du moment où ils sont rentrés dans le vocabulaire commun, et d'une certaine façon peut-être de créer une sorte d'effet de distanciation en les faisant apparaître parfois en italique, un peu à la manière dont Flaubert fait, par l'usage des italiques, fait ressortir des termes précis qui sont des termes de sorte de lieu commun ou des termes de la conversation courante au sein de ces phrases pour créer une sorte de distance avec eux. Et alors, puisque je parlais simplement du titre, je reviens sur une autre chose, c'est la couverture de la traduction qui a une magnifique illustration. So can you tell us something about the choice of the cover illustration? I don't know if it's not very easy for it to be seen. Alors effectivement, l'éditeur américain m'avait proposé de faire quelques suggestions. Il se trouve que cet artiste Christian Hidaka, je lui avais demandé s'il avait quelques choix à me proposer. J'avais aussi demandé à d'autres artistes, et c'est Electron qui a choisi précisément cette image, et ça aurait été probablement mon propre choix. Il n'y a pas de connexion extrêmement précise, mais j'aimais beaucoup cette image géométrique. Il y a aussi ce jeu, il y a un jeu dans cette image et dans d'autres du même artiste, avec la figure du polyèdre de Dürer dans la gravure de Dürer sur la mélancolie. Mélancolie. Voilà, et c'est une des raisons qui m'ont fait proposer cette image. Et au-dessus du polyèdre, on a presque l'impression d'une pierre blanche, comme si ça marquait d'une pierre blanche vos activités. Enfin, ce serait possible d'imaginer toutes sortes de raisons de voir cette espèce de kaléidoscope comme représentant bien le projet du livre. Vous avez eu la gentillesse donc d'accepter le défi de chacun lire un passage, Maël en français, then Peter in English,
pour qu'on ait une idée des rythmes. Alors, je ne sais pas du tout quel sera le passage choisi. Donc, nous vous écoutons avec plaisir. C'est à vous de jouer, messieurs. Alors, c'est French first. Nous avons, on a choisi plusieurs extraits, mais peut-être qu'on va se limiter à quelques-uns. On va lire le début. Éventuellement, peut-être, alors, soit on continue la conversation, soit on peut enchaîner aussi la lecture de plusieurs passages. Je pense que c'est peut-être intéressant de voir, d'illustrer ce qu'on a dit sur la Bruyère et sur le XVIIe siècle aussi, à un moment. Et aussi un passage qui traite de la question de l'écriture, en fait, de l'écriture romanesque à l'époque d'Internet. Mais commençons par le début. Un jour, sur le boulevard Beaumarchais, songerie assez floue à vrai dire, apparue comme malgré moi et disparut très vite, il m'est venu à l'idée de rechercher sur Google ce que j'avais bien pu faire et où je me trouvais l'avant-veille à 5 heures du soir, puisque mes souvenirs s'embrouillaient et restaient muets. Ce devait être en novembre ou en décembre 2008. Je me souviens du carrefour où je m'apprêtais à traverser la rue, près du cirque d'hiver, de la lumière de cet après-midi froid et gris, et de l'éclair qui me traversa l'esprit. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver ces informations, comme si elles avaient dû être consignées par quelque énigmatique ange gardien, mouchard ou mémorialiste. Un citoyen est-allemand aurait pu répondre à la même question en allant consulter son dossier aux archives des services secrets. Cette possibilité est déjà particulièrement saisissante. Il y avait autre chose dans le moment dont je parle, une vision de l'instant présent déjà transformée en son image numérique, ralenti, brouillé, tremblant, comme ces brèves vidéos que l'on trouve en chinant dans YouTube. De telles images, d'un seul coup, n'étaient plus seulement la trace de moments passés, trace imparfaite et volée par miracle. Le monde entrait dans la manière d'être dont elles sont exemplaires. Je le voyais se disposer à rejoindre docilement une infinie réserve d'images où nous pourrions tirer plus tard celle de chacun des instants passés. Nous le pouvons pour les images qui ont été effectivement enregistrées. Le rêve était qu'aucune différence ne séparait plus des moments enregistrés d'autres qui n'avaient pu l'être. Le monde se conservait tout entier sans l'intervention d'un tiers technologique. Dans mon instant de trouble, c'est ce passage à un nouveau mode d'être, ce devenir image-souvenir, pour ainsi dire, que j'avais fugitivement perçu. Et les portails de l'Internet n'étaient que les sources où l'on allait puiser quelques-unes des images innombrables sous la forme desquelles s'était conservée l'intégralité du passé mondial. La technologie n'était plus ce qui enregistre, elle donnait accès à un enregistrement de l'être par lui-même. One day, as I was daydreaming on the boulevard Beaumarchais, I had the idea that came and went in a flash, almost in spite of myself, of Googling to find out what I'd been up to and where I'd been two evenings before at 5 o'clock, since I couldn't remember on my own. This must have been in November or December 2008. I remember the intersection near the Cirque du Vail where I was standing, about to cross the street, the light of that cold gray afternoon, and the spark that shot through my mind. It wasn't simply a matter of retrieving the information as from some mysterious guardian angel, snitch, or record keeper, the way a citizen of East Germany could have consulted his file at the secret police archives, an odd enough thought. The moment of which I'm speaking offered something else, a vision of the present instant already transformed into its digital image, slowed down, blurred, wobbly, like a video on YouTube. Images like that were no longer imperfect traces of past moments miraculously captured. Instead, the world had embodied the mode of being of those kinds of images, and I could see it quietly uniting with an infinite stock of videos from which we would later be able to extract the image of every past instant. We can already do this with recorded images,
But my daydream was that the distinction between recorded and unrecorded moments had vanished. No technology was required for the world to preserve itself in its entirety. In that instant of disarray, I fleetingly perceived this transition toward a new mode of being, this becoming image memory, so to speak, and web portals had become simply the wells from which we could draw a few of the innumerable images in which the entirety of the world's past could be retrieved. Technology no longer served to record. It gave access to being's own recording of itself. Et je vais juste lire le petit fragment qui suit, parce que Peter, c'est qui le... Claude Lévi-Strauss dit quelque part qu'il suffirait que nous disposions, ne serait-ce que de 2 ou 3 minutes de film enregistré par une caméra placée dans les rues d'Athènes au temps de Périclès, pour que toute notre historiographie de l'Antiquité en soit bouleversée. D'après le rêve que je décris, vous pouvez trouver au fond de YouTube, avec un peu de patience, ces 3 minutes de soleil, de poussière, de palabres, de logos à couper au couteau. Claude Lévi-Strauss says somewhere that even 2 or 3 minutes of film recorded by a camera placed in the streets of Pericles' Athens would be enough to overturn our entire historiography of antiquity. According to my dream, a person could, with a little patience, locate in the recesses of YouTube those 3 minutes of sun, dust, palaver, logo so thick you could cut it with a knife. Merci beaucoup. Thank you to both of you. Donc, je pense que effectivement, c'est le début, mais c'est aussi un début qui nous met au cœur des choses et qui nous invite à nous interroger sur ce que nous sommes en train de faire actuellement, hein, puisque nous avons des gens qui nous regardent en direct et d'autres qui verront en différé cet enregistrement. Donc, on est en train de produire le genre d'expérience qui est évoqué dans le livre, hein, d'enfouir au fond de la mémoire de YouTube une conversation qui a lieu actuellement. Ça me permet de dire une chose que j'aurais dû dire au départ, c'est que si quelqu'un souhaite poser une question et nous regarde en direct, donc c'est tout à fait possible via ce qu'on ne devrait pas appeler en français le chat, c'est-à-dire la colonne de discussion. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Sinon, de toute manière, nous allons continuer notre conversation. Et je voudrais en venir justement à ce petit paragraphe que vous avez voulu rajouter, le deuxième paragraphe, Maëlle, hein, ce paragraphe qui, premièrement, donc, mentionne Lévi-Strauss. Et effectivement, vous l'avez dit en présentant le livre dès le départ, il y a une structure ou une étoffe qui est une étoffe très importante en deçà de réflexion et d'étayage, je dirais peut-être, d'étayage philosophique. De ce point de vue-là, l'extrait qui part de la réminiscence personnelle et ensuite glisse vers cette question fondamentale, au fond, que savons-nous ? Que peut faire l'histoire, quels sont les documents que nous avons et que vaut notre interprétation, me paraît assez caractéristique au fond de votre démarche. Est-ce que c'est légitime comme remarque ? Oui, oui, absolument. Alors, d'une certaine façon, le début du livre raconte la genèse du livre, parce que c'est vraiment ce jour-là que je me suis dit, que j'ai commencé à me dire un jour, il faudrait que j'écrive quelque chose sur Internet et sur ces expériences nouvelles que nous pouvons faire. Il y a aussi un aspect biographique qui peut être intéressant dans la compréhension de l'ensemble du livre. Au début des années 2000, j'ai commencé un travail de thèse universitaire sur la réminiscence et la mélancolie. Mais c'était une thèse de philosophie, mais inspirée de Proust, de Baudelaire, de Chateaubriand, enfin de aussi de tout un corpus littéraire du 19e siècle et du 20e. Et à la fin des années 2000, d'une certaine façon, ce projet universitaire a basculé, en fait, vers l'écriture de ce livre. Parce que j'avais le sentiment que... avec Internet, il y avait des nouvelles expériences de réminiscence, de mémoire et de mélancolie. Et
il y a une, comme ça une sorte de transformation dans mon parcours intellectuel qui m'a fait aller vers ce livre qui est un livre il est difficile à classer du point de vue du genre. Est-ce que c'est un livre de philosophie ou est-ce que c'est un essai littéraire? Il est un peu les deux. C'est un livre où il y a de la philosophie, mais au fond, peu à peu, en l'écrivant, il est devenu presque de plus en plus littéraire. C'est-à-dire que les passages narratifs, les anecdotes autobiographiques sont devenus de plus en plus nombreuses, alors que le début du livre a quelque chose de plus métaphysique. J'ai écrit aussi la première section du livre en 2011, pas très longtemps après avoir traduit un texte de Walter Benjamin, Der Erzähler, le raconteur. Le raconteur. Et ce qui a aussi une sorte d'influence en fait dans l'écriture de l'envoi du livre, de cette première partie et de la suite, notamment dans le choix de la forme fragmentaire. Et alors, l'exemple de Lévi-Strauss est effectivement intéressant parce que ce que dit Lévi-Strauss dans les années 50 ou 60, et c'est une intuition, c'est une rêverie de Lévi-Strauss qui apparaît à une époque où l'existence d'Internet est inimaginable, mais à beaucoup de reprises dans le livre, justement, je cite des textes anciens, des textes d'époque antérieure à Internet, mais où l'on sent dans la pensée humaine soit des intuitions, soit des rêveries, soit des métaphysiques qui, en quelque sorte, vont vers l'Internet sans imaginer son existence. Comme si, d'une certaine façon, l'Internet réalisait une sorte de accomplissait, réalisait une sorte de rêve humain très ancien. Et c'est une intuition qui court tout au long du livre, en fait, que je matérialise en montrant à quel point certaines réflexions très anciennes en fait font écho de manière très saisissante à notre expérience d'Internet. Par exemple un passage sur Malebranche où son vocabulaire ressemble beaucoup à celui que nous utilisons pour décrire nos démarches intellectuelles avec Google. Il y a un texte de Bergson aussi qui est assez fascinant de ce point de vue-là, ou un extrait des Mille et une nuits. Alors là, on revient à l'historiographe du royaume, où il est question d'un petit objet magique qui permet de voir des images de ce qui se passe de l'autre côté du monde. Et c'est une sorte de fil conducteur du livre qui est effectivement assez bien emblématisé dès le début par l'apparition de cette rêverie de Lévi-Strauss. Et je voudrais poser une question maintenant à Peter, enfin qui est un peu une question conjointe, puisque donc on le voit, vous êtes dans la même pièce, vous êtes complice, vous avez enseigné dans le même établissement. Est-ce que vous vous connaissiez au moment où vous avez écrit le livre, Maëlle? Oui, je crois qu'on se connaissait déjà. Oui. I think it was just at the moment. Oui. It was 2011. I became lecteur quand j'ai été here. On a dû se rencontrer vers 2011. Oui. And Peter, was it your decision to translate the book? Did you think I've never read anything like this, and I think it should be available in English translation, or how did it happen? Oh, I loved it. Of course, and Maed was one of the very first, not the first, but one of the very first texts that I translated. It was a selection of some aphorisms that Maed had written for the collection that Donatien Beau had done with Tom Bishop for a conference at NYU. And actually, I should really give my thanks to Donatien Beau, who I know you know well at the Maison Française d'Oxford. It's really through Donatien, though I'd known Maed and loved his writing and wanted to translate him. It's through Donatien that I became the translator for the NYRB edition of this book. Oui, et on s'est rencontrés d'ailleurs par Laurent Folliot, qui a été aussi à la Maison Française d'Oxford dans les années 2000.
tous les chemins passent par Oxford. Like I'm finally learning. Virtuellement ou réellement, we hope we'll manage to get you over properly soon. That partly answers my question, but you say you love the book. Did you then go and see the publisher? Did you go and see the NYRB and say, listen, this has just got to be translated and I'm the man to do it? Or did they say, have you any ideas? How did it happen in concrete terms? Did Maëlle say, I'd love there to be an English translation, would you do it? Alors, je ne me souviens plus exactement de tous les détails du processus, mais la traduction que Peter avait faite de l'autre texte, qui était beaucoup plus court, avait semblé vraiment excellente. Et donc, j'étais assez désireux que Peter traduise le livre. Mais je crois, si je me souviens bien, que la décision de faire traduire le livre prise par Edwin Frank a été prise avant que l'on choisisse le traducteur, mais ensuite ça a été assez naturellement accepté comme ça. Et est-ce que le livre a été traduit dans d'autres langues ? Oui, il a été traduit en allemand en 2018. Et parce que là, donc on a Peter et vous tous les deux à discuter. Donc on voit bien que s'il y a un problème, Peter, you can say to Maëlle, I don't know what you're going on about here, or am I missing something? Est-ce que c'était la même chose avec le traducteur allemand ou pas? Non, c'était. Enfin, j'ai relu le texte allemand à la fin. Mais il y a eu moins d'échanges parce que la distance physique était plus grande évidemment qu'avec Peter. And Peter, when you had questions for Maëlle, did you sort of just ring up instantly or fire off a text saying, you know, what does this mean? Or did you wait till you had a whole list of questions and say, could we have a working session and go over a whole series of things? Yeah, I actually waited till the very end. Well, there were kind of two moments to this, or two phases. The first phase was when we spoke about, as I was mentioning, La Bruyère and also La Princesse de Clèves, and finding contemporaneous translations for those. But after that, I basically went and, I mean, I remember speaking a couple of terms, one from Deleuze, another that I didn't call up my head. But otherwise, what I like to do is I would get my version, my final version, or, you know, I would get the version where I wanted it to be more or less, and then I would send it to my head. And then we'd go over it together. And then there would be a last round where I would ask questions or my head would ask me questions. And we looked at things from there. It sounds admirably collaborative. We have a question from someone who's listening or watching in Dublin called Max. And he wants to know what you think about using the internet to create new hybrid literary forms. And so the question is addressed initially to Peter. Is it a gimmick or a worthwhile experimentation? Mais aussi pour vous, Maëlle, donc, que pensez-vous de cette utilisation d'Internet pour créer, pour engendrer de nouvelles formes ou de nouveaux genres littéraires? Est-ce que c'est simplement un truc passager ou est-ce que c'est véritablement une forme d'expérimentation qui a sa valeur? Alors on peut le comprendre de différentes façons. Est-ce qu'il s'agit de créer des nouvelles formes littéraires sur l'Internet ou est-ce qu'il s'agit de transposer dans la forme du livre, en papier, des choses qui viennent de l'expérience d'Internet? Je ne sais pas s'il y a des formes... nouvelles, si ces formes nouvelles sont si nombreuses, à vrai dire, elles sont peut-être, d'une certaine façon, paradoxalement, elles sont peut-être moins nombreuses aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Je sais que je connaissais des gens qui, il y a 20 ou même 25 ans, dans les milieu des années 90, ont inventé des sortes de romans purement sur Internet, avec des liens...
Il fallait cliquer, il y avait plusieurs possibilités. On pouvait en quelque sorte construire l'histoire en ouvrant des portes différentes. C'est me semble-t-il, quelque chose qui a presque disparu, parce que malgré tout, le roman classique a continué de s'imposer. C'est toujours lui qui domine notre vie littéraire, je crois, dans tous les pays. Ce qui s'est ensuite développé en parallèle, éventuellement, c'est l'écriture de textes sur les réseaux sociaux ou sur autrefois les blogs, qui d'ailleurs eux-mêmes sont une forme qui a presque disparu, parce que l'époque des blogs, c'est la grande époque des blogs, précède l'apparition des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont en quelque sorte créé des empires qui ont complètement centralisé une multitude de petits sites internet où pouvait se passer des choses un peu inventives. Ensuite, dans ce livre lui-même, il est certain que le choix de cette écriture fragmentée avait aussi, enfin, elle est à la fois classique, parce que des auteurs de toutes les époques ont écrit en fragments. Elle est aussi un peu liée à l'expérience d'Internet. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui coïncidait, qui correspondait assez bien à notre expérience de ce média dans le choix d'une écriture fragmentée qui pouvait aussi s'apparenter d'une certaine façon à quelquefois des publications sur Facebook. Il y a d'ailleurs certains passages du livre, certains fragments ont d'abord été juste des publications sur Facebook que j'ai ensuite reprises dans le livre en termes de format, en termes d'unité. Il y a une correspondance entre ça et le livre, et j'ai continué d'ailleurs ensuite à écrire d'autres fragments un peu de cette façon-là. Comment dire, je ne porte pas de jugement de valeur en général. Je pense qu'ensuite ça dépend beaucoup de ce que individuellement chacun peut faire avec cette technologie. Mais comme vous, je me souviens de pratiques d'écriture collective, par exemple, dans les années, fin des années 80, début des années 90, où chacun écrivait un chapitre et l'envoyait à une tierce personne, etc. Et c'est vrai que ça a un peu disparu. C'était un peu dans l'excitation de... Il y a eu un changement. En fait, dans le livre, j'évoque d'ailleurs cette idée des différentes naissances d'Internet. Il y a une première naissance en 95, quand d'un coup, cette chose qui était réservée à un très petit nombre de spécialistes devient public. Et ensuite, pour moi, il y a une deuxième naissance d'Internet vers 2005, où apparaissent les futurs empires, c'est-à-dire YouTube, les réseaux sociaux, Facebook, et même des choses comme Google et Wikipédia, à la fin des années 90, n'existent pas vraiment avec l'importance qu'ils ont aujourd'hui. On commence par un archipel, par des multitudes de petites entités vivant à part, et à partir de 2005 se créent d'énormes conglomérats qui centralisent de manière impériale d'une certaine façon. C'est comme les petites cités grecques qui ensuite sont supplantées par l'immense empire romain. Il y a quelque chose comme ça dans l'évolution d'Internet. Mais si vous voulez, pardon, on peut lire cette page que j'avais choisie qui évoque la question de l'écriture romanesque à l'époque d'Internet. C'est un des fragments dans la section narration et qui n'est pas très long et qui fait écho à la question qui a été posée, si vous voulez. Très bien. And then we'll get Peter to answer. Donc, nous sommes très contents d'entendre un deuxième petit morceau. Je pense que c'est 75. Étonnamment nombreux sont les romans actuels, qu'ils relèvent de la fiction ou de l'autofiction, où l'intrigue ne se déroule pas dans le moment présent, ni dans un temps non marqué qui n'aurait aucune raison de ne pas être le moment présent, mais dans un passé proche, années 80 ou 90,
où la vie quotidienne ressemblait dans les grandes lignes à ce que nous connaissons aujourd'hui, sinon que l'Internet en était absent, comme s'il y avait là un seuil que l'on se refaisait à franchir, un territoire dangereux pour l'écriture, pour le style, quelque chose à quoi l'on n'a pas envie de se confronter, que l'on a peur de ne pas savoir faire, un gouffre vers lequel on se sentirait glissé, mais devant lequel on freinerait des quatre fers et s'arrêterait in extremis. Il me semble que ce phénomène, qui n'est probablement pas conscient le plus souvent, est à parts à peu près égales. Le fait d'écrivains relativement âgés, du moins ayant à ce jour vécu la plus grande partie de leur existence avant l'Internet, et de romanciers jeunes, mais trop lettrés peut-être, pour se résigner à constituer des intrigues où l'irruption envahissante de cet élément leur donnerait le sentiment de s'éloigner d'une manière déchirante de leurs modèles antérieurs. Le paradoxe est que l'Internet favorise précisément cette tendance au roman historique à contexte récent dont il est expulsé, puisque c'est lui qui constitue une source d'information merveilleusement facile d'accès et presque inépuisable, en tout cas de plus en plus dense, sur les époques où il n'existait pas. A surprising number of today's novels, whether fiction or autofiction, are not set in the present moment or in an unspecified time that might as well be the present, but rather in the recent past, the 1980s or 1990s, when daily life largely resembled the world we know today, except that the internet was absent, as if there were a threshold here that we refused to cross, a dangerous territory for writing, for style, something that we shied away from facing, but that we were afraid we might not be able to do. An abyss toward which we could feel ourselves proceeding before slamming on the brakes at the last second and stopping on the brink. It seems to me that this phenomenon, which is probably unconscious most of the time, comes just as often from writers who are relatively old, or at least who have lived the greater part of their existence before the internet, as from novelists who are young, but perhaps too literary to resign themselves to creating plots in which the invasive eruption of this element would make them feel they were devastatingly cut off from their past models. Paradoxically, the internet fosters precisely such a tendency toward historical novels set in the recent past when it didn't exist, because it constitutes a marvelously accessible and nearly inexhaustible, or at least richer and richer, source of information about the periods before it came to be. Thank you. So, Peter, what's your view on using the internet to create hybrid literary forms, or do you not have one? The answer to that would be one of the hybrid literary forms created by the internet is translations, are these translations, or different ways of translating. In this book, there's a very interesting passage about where Maeda speaks about translating through Google Images, where there's just precisely a Benjamin word about that, I think, wouldn't pronounce it well in German, Fensterpult, where Maed speaks about going online and finding the image and then finding the word. And I think it's also that it's this sort of a supplement or to intuition where you can hear a sound and you have a feeling for where it's coming from in the French and where it should go in the English. But to be able to look up precisely, I don't know, I mean, we could have done this before, just we do it faster now. And I think that the ease with which we do it influences finally the content, where you can go precisely to this place in the King James Version and see what it is, or a little bit more difficult, you know, finding precisely where in which philosopher this term is used in that way. And I do think, I mean, I guess every technical innovation has had an effect on this. I'm sure Ralph Manheim, when he can suddenly use the Encyclopedia Britannica, or I don't know what was coming a little bit later, that changed how he translated, but yes, I think it's influenced things. Because at one stage, Maelle says, you know, if Baudrillard had had internet, he'd just have typed into Google what he was looking for, etc. Do you think that the internet has made translators lazy? No, I mean, I think it's changed the conditions. For some reason, when you asked me that question, it reminds me, I was at the American Philosophical Society in the States, where I grew up, and the APS librarian was speaking, and he was talking about his predecessor at the APS library, who just knew everything, and how gracious this predecessor had been in accepting that now, you know, you could look up things, and it's a different
It's a different way of working, but there is I don't think it's less work, but it opens up a possibility sometimes. I think sometimes it allows an even greater precision, maybe for better or worse. You know, there's kind of those two, that pendulum I was talking about, the two ways of translating. One is the exact precision. The other one is, I remember very early before I became a translator, I was watching this film. I don't know who it's by. It's called La Dame aux Cinq Éléphants. You know the film? And she's a translator from the Russian, and the Five Elephants are the five Dostoevsky novels that she's translated. And she had this phrase that stuck with me. She says, "Il faut lever la tête en traduisant." You have to read the French or read the original, lift your head, and then let it come in this new way in the target language, come again in that way. And that's something that you probably had to do even more when you don't have this incredible capacity for specificity and for precision, which does let you get even closer to the French and still be correct in a way in the English, which is interesting. Yes, in a sense, you know, the expression, you can't see the wood for the trees, it's almost the opposite. You can see the wood so well that you lose sight of the trees if you don't look up from time to time. I have a question. Alors, un spectateur demande à Maël si on peut considérer comme certain que le véritable auteur d'une traduction, c'est le traducteur lui-même. L'auteur de la traduction, c'est le traducteur plutôt que l'auteur, en quelque sorte. Qui est l'auteur de la traduction? Est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est le traducteur? C'est le traducteur. Mais alors, d'ailleurs, en France, la traduction est considérée comme une œuvre de manière égale à un livre. La traduction est en droit éditorial français considéré comme une œuvre à part entière, sans différence avec un texte original. Alors, c'est vrai, mais en même temps, regardez tous les comptes rendus dans la presse qui ne citent pas les noms des traducteurs ou le fait que, à de rares exceptions près, on oublie le nom du traducteur. On se souvient du traducteur quand c'est Baudelaire qui traduit Poe, par exemple, mais on ne se souvient pas de tous les traducteurs. On se souvient de Scott Moncrief quand il traduit Proust, pour prendre un exemple dans l'autre sens, mais on oublie aussi le nom du traducteur très souvent. I remember I heard a translator speaking about this once. He said, well, it's the author's book, but all the words are mine. I think it's a word. You put them in the right order, Peter. That's the important thing. I think it's every word, yeah. Well, not everyone here. There's a few English words. Change most of them. Et je vois que l'heure tourne. Donc j'ai deux questions. La première, c'est donc nous avons été nombreux au Royaume-Uni à lire l'historiographe du Royaume avec le plus grand plaisir. Est-ce que ce livre va être traduit pour les non francophones ou pas? Je l'espère, mais je n'ai pas d'information précise. D'accord, il n'y a pas de projet immédiat de traduction. Je l'espère que ça va arriver. Oui. Moi aussi très vivement pour les gens qui ne lisent pas le français, mais pour ceux d'entre vous qui lisez le français, qui nous écoutez, qui nous regardez, lisez l'historiographe du Royaume. C'est un livre formidable. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. Je sais que Pascal Marty, le directeur de la Maison française, qui est notre hôte ce soir, notre hôte virtuel, est aussi un grand admirateur de ce roman. Donc, j'en profite pour le saluer et le remercier de notre part, puisqu'il nous reçoit virtuellement. Donc, ma dernière question pour vous, Maël, ce sera sur quoi travaillez-vous maintenant ou ne pouvez-vous pas nous le dire, ne voulez-vous pas nous le dire? Je travaille sur un nouveau roman, mais je préfère ne pas trop en dire. C'est très ambitieux. Ça se passe en France. Ça commence en tout cas dans les années 30. Ça se termine avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je n'en dirai pas plus, mais j'espère
pouvoir le publier en septembre 2022. Je vais essayer de tenir ce délai qui est très court. Bon, si c'est en 2023, ce n'est pas une catastrophe, mais voilà, c'est ça qui m'occupe beaucoup en ce moment. Alors, vous allez essayer de tenir le délai. Nous, nous allons essayer de tenir jusque-là, puisque nous sommes impatients. And Peter, what are you translating currently, or are you writing something of your own? I am working on Pierre Guillotat. We were talking about this idea of in my head of finding the past in the French or. Kind of, and I think that's been even an intensification of that, where you have some of Pierre Guillotat's texts where he tries to include all forms of French into his style. I'm working on a couple of books of Pierre's right now. Sounds very ambitious to use an adjective which Maël used about his own plan. So thank you very much to both of you. Merci mille fois de cet entretien. Le temps a passé trop vite, encore une fois. Je me souviens que ça a été le cas la dernière fois que nous nous sommes entretenus. Je vous redis que j'espère avoir l'occasion de vous accueillir à Oxford avant trop longtemps. Thank you very much. Thank you to everybody who has been watching or listening this. And thank you once again to Anne-Sophie and to Rob for making this technically possible. Bonsoir à tous. Bye. Bye, everybody. Thank you.